Bonjour. Michel Gondin. Blackman. On se connaît pas. Non. Non. Je fais les blagues de l'émission. Ah, d'accord. Bonjour. C'est moi l'animateur. D'accord. Il vous a présenté. Il s'est un peu expliqué. J'ai compris. Ça va, vieux? Ouais, ça va. Cool. Donc, moi, j'interviendrai en n'importe quel moment. Ça va vous étonner à certains moments. Puis, il y a des fois, vous allez trouver ça excellent. Puis... Donc, vous pouvez rigoler si ça vous fait marrer. Oh, bonjour. Si ça me fait marrer, je rigolerai. Ça me fait pour marrer. Ok. Guillaume, est-ce que tu es prêt? Je suis prêt. Bonjour à tous, bienvenue dans Opinion, votre rendez-vous sur TLM. Il fait partie de ces présidents sportifs emblématiques. Michel Gonnet, le président de la Cro Lyon Boules, est avec nous. Bonjour Michel. Bonjour. Pas tout à fait bonjour comme ça, c'est comme ça les boules. À vos côtés, Blackman, un peu l'électron libre de cette émission. Vous allez voir. Bonjour, bonjour. Alors Michel, je me tourne vers vous. Est-ce qu'on peut dire que la saison de votre club a été bonne ? On n'a pas eu une mauvaise saison, mais on a une saison inachevée. On perd en Coupe d'Europe pour une partie. On perd en demi-finale de Pentecôte, grand tournoi de Pentecôte, pour une boule. C'est une saison, une bonne saison, mais inachevée. On est champion de France, c'est tout. Ah, vous êtes ma boule peut-être alors. Là, je peux vous dire qu'en deux week-ends, j'ai été ma boule, puisqu'on a rebouché deux fois le champagne, puisque deux fois on a perdu au dernier moment. Ça va être comme ça tout le temps. C'est que, comme j'ai dit, ma boule. J'ai compris. Et vous êtes comestible ? Comestible, pas tout à fait. Pas tout. Parce que les champignons du monde, c'est bon ou pas ? Ah. Pas mal. Blackman, l'électron libre de cette émission. Blackman ! Batman, un chinois qui plonge à la mer Rouge, qu'est-ce que ça fait ? Non, ça fait plouf. Celle-là, elle est fossilisée dans mon cerveau. Excellent. Quel est votre jus préféré? Le jus préféré? Allez, on va dire grenadine. Moi pas. Pourquoi? Jus de chaussette. Ah, jus de chaussette. Excellent. La partie foutoir, hein. C'est le foutoir sur le plateau. Foutoir complet. Foutoir? Non, foutoir. Non, foutoir. Non, toi. Je dis, ça va être des interventions comme ça tout le temps. Tout le temps. Ah bah j'écouterai. C'est sympa, non? Sympa. La prochaine vraie compétition, pour vous, là, il y a un petit temps de retour. Non, on a le championnat de France doublette, qui est au mois de juin, et début juillet, le championnat de France cadette. Et après, on est en vacances. Je fais ça derrière ta tête. Après, on est en congé. Oh bah, on a toujours une petite, là, pour vous, Blackman. Allez-y. Que fait un papillon lorsqu'il veut être élégant ? Alors, je vois pas du tout, là. Un nœud. Un nœud papillon. Un nœud papillon. Et ça fait combien d'années maintenant que vous êtes président de la Cro? Est-ce que vous pensez à rendre votre tablier? Ah, ça, je l'ai annoncé clairement. Mm-hmm. Je rendrai mon tablier en juin 2011. Je crois que c'était une chemise. La chemise aussi. le pantalon avec. Et sans chemise et sans pantalon. Sans chemise et sans pantalon. Ce soir, nous allons danser. Voilà. Sans chemise. Et sans pantalon. Ce soir, nous allons danser. Sans chemise. Blackman, je rappelle Blackman, l'électron libre de cette émission. www.blackman.net, si vous voulez des blagues. Pas, peut-être pas net. Non, si. Non. Si. Non. Si. Non. Pourquoi? Non, pas net. Excellent. Pas net, je dis, pourquoi pas net? Ah oui, j'ai compris non. Après. Okay, excellent. Hey, j'ai l'impression qu'il y a deux Blackman ici. Oui, j'ai l'impression que là, c'est ce qu'on veut. C'est très c'est bien. C'est une bonne émission. Mmh. Je suis certain. C'est... Et pour revenir à la comparaison avec la pétanque... La pétanque? Non, le prout de tank. Le prout de tank, pas mal. La pétanque est un loisir. 90% des gens... je peux jouer en loisir. Qu'à la Lyonnaise, c'est plus difficile. OK. Eh bien, on va stopper l'émission.
Je vous remercie d'être venu. Moi, j'ai envie de vous dire, la pétanque, c'est bien, mais la protanque, c'est encore mieux. Voilà. Très bien. Merci. Eh bien, merci à vous. C'était Opinion. Prochain rendez-vous la semaine prochaine. Merci. Allez. Blackman. Comment, c'est stressant à crever. C'est stressant à faire. Hein. Ouais. Bah, j'ai l'impression que j'aurais dû plus intervenir à certains moments. Si j'ai pas évidence de se renouveler au niveau blague, pour qu'elle soit bonne. Oui, les blagues. Et le gars qui est au bar, et puis il est vraiment saoul. Et il y a une équipe de nains qui font un tournoi de six de foot. Mm-hmm. Et ils rentrent se changer, ils repartent. Et le gars, quand il est reparti, il appelle le patron. Marcel, viens vite, viens vite. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Il y a le baby-foot qui se tire. T'as compris? Non. Non, il n'a pas compris. C'est quoi? Baby-foot. Tu connais le baby? Ah, le kicker. C'est des petits joueurs de foot. Ouais. Et comme c'est les nains qui s'en vont, il dit viens vite, il y a le baby-foot qui se tire. Quoi, il y a quelqu'un qui a déplacé le baby-foot? Et non, c'est les nains qui s'en vont. Avec le baby-foot? Non, sans les baby-foot. Ils ont pris le kicker? Non. Il a confondu, il a cru que c'était les joueurs du baby-foot qui s'en allaient, comme c'était des nains. Mais qui a dit ça? Ceux qui étaient sous au bar. Ils vont passer les nains, tout doucement. Ah, le nain était sous? Non. Alors? Le gars qui était au bar. Ouais. Il a volé le kicker? Non. Il est parti? Non. Il est drôle ou pas? Alors, je pense qu'il faudrait qu'ils connaissent mieux le sujet pour faire les blagues sur la personne qui l'interviewe. Parce qu'il y a beaucoup de blagues à faire sur les boules. Mais j'ai fait la blague, ma boule, j'ai fait la ma blague. Ma boule, oui, même ma boule. Mais la blague correspondant à la lyonnaise, quoi. J'ai fait la pétanque, protanque. Enfin, ouais, protanque, c'est très dur à comprendre, ça. Enfin, pour moi, à côté, ça me fait pas trop rire, quoi. Bon, j'ai eu une interview il y a pas très longtemps sur la télévision de Monaco. Le gars m'imitait, quoi. Ah ouais, ça j'ai pas pensé à faire. Imitation. Ouais, ça j'ai pas pensé à faire. Ouais, il était pas mal, le gars. C'est un Italien. Moi? Non, Italien à Monaco. T'es plus marrant que moi? Pas, plus, hein. Non, pas, peut-être pas plus marrant, uh-huh. Mais plus approprié à la discussion qu'on avait. Tout, on dit, les boules, ça se joue par poule. Ben, vous avez pas joué pendant la grippe aviaire. Vous avez pas joué pendant la grippe aviaire. Est-ce que vos poules couvent vos boules? Il a été bon, le gars. Qu'est-ce qui m'a sorti aussi qui m'a fait rire? Oui. Est-ce que vous êtes comme les footballeurs de coucher avec vos chaussettes ou vos souliers? Est-ce que vous couchez avec vos boules dans le ventre? Si j'avais cette blague-là, putain. Il avait dû bosser avant. Ah oui, il a bossé le sujet, quoi. Ça vient de dire parce que maintenant c'est trop tard. C'est dur à faire. Ou bien on recommence l'émission? Pour recommencer? On recommence l'émission? Comme vous voulez, ça peut. En régie, on recommence? Ok. Bonjour à tous, bienvenue dans Opinion, votre rendez-vous sur TLM. Il fait partie de ses présidents emblématiques. Michel Gonnet, le président de la Cro Lyon Boule, est avec nous. Bonjour Michel. Bonjour. Également l'électron libre de cette émission, Blackman. Voilà. Alors, première question qui me vient à l'esprit. Est-ce que vous avez joué au foot, au boule, pardon, quand... C'est quoi encore? La grippe quoi? J'ai oublié le nom. La grippe aviaire. Pendant la grippe aviaire? Ah, on n'a pas joué aux boules pendant la grippe aviaire obligatoirement, parce que c'était des poules, mais les poules ne correspondaient pas à plumes. Les boules à plumes. Voilà. Et les plumes à boules. Voilà. Blagman, le trubillon un peu de cette émission. Et racontez la blague avec le kicker, avec les nains. Non. Le baby-foot, allez, vite, vite, vite. C'est quoi, une blague? Oui, ouais, c'est une blague avec... c'est dans un bar. Un bar, il y a une personne qui est complètement sous au bar. Et quelqu'un qui regarde, qui est sous au bar, et il y a les nains qui sortent le kicker. Non, non. Il y a un baby-foot dans le bar. Et les nains vont se changer, ils font un tournoi de six, ils rentrent et ils sortent. Et il y a l'autre qui regarde partir le nain. Il dit au patron, viens vite, Marcel, le baby-foot se tire. Comment ça? Le baby-foot se tire. Parce que les nains ont pris le baby-foot et ils l'ont sorti, c'est ça? Non. C'est quoi, là? C'est les nains voilà. Qui ont... Arrêtez. Mais j'ai pas compris. Baby-foot, c'est les nains. Oui. Ouais, comme il est rond, il croit que tous les gars du baby-foot se tirent tout seul. Mais là, il c'est pas rond, un baby-foot, c'est carré. Ouais, d'accord. Oh putain, mais... Oh. Vous êtes lourd. Allez. Bref, vous voulez qu'on conclue, peut-être? Oui, conclue. Blagman, plus de blagues? Non. Je vous remercie d'avoir suivi cette émission sur TLM. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro d'Opinion.